l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, en soutien aux femmes des communes de Djebonois, de Tiendekro et de Brobo, regroupées au sein de l'intercommunale dénommée Djetébro, a lutté contre la pauvreté. Elle leur a offert 21 broyeuses de manioc d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA pour permettre à ces femmes d'assurer leur autonomie financière. Les micro-projets, c'est un instrument efficace pour aider la population, pour réagir à des besoins ponctuels et pour en faveur les couches les plus défavorisées. On va faire en sorte que les femmes peuvent être fières de soi, parce que maintenant, avec ces machines-là, qui sont utilisées dans une coopérative, ils peuvent contribuer vraiment aux revenus de ces familles. Occasion pour le maire Tinguin Koffi Edmond et Kwasi Amouin-Léontine, porte-parole des bénéficiaires, de remercier le donateur pour son geste hautement social. Ils ont aussi souhaité un partenariat plus renforcé pour la réalisation d'autres projets. Après Djebonois, cap a été mis sur Boaké, où l'association des femmes couturières a bénéficié elle aussi de plus de 5 millions de francs pour le financement de leurs activités. Les membres de l'association des femmes de l'ONG Rassemblement des jeunes pour la réconciliation et la paix ont reçu du matériel d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA pour la production de la kéké. Au total, ce sont plus de 11 millions de francs CFA qui ont été dégagés par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne pour le financement de tous ces projets.